Bienvenue sur Europe 1, nous voici ensemble pour 2 heures de direct au 39-21. Dans cette libre antenne, vous le savez, on échange, on parle de nos vies, de nos difficultés, mais aussi de ce qui nous rend heureux. Et dans ce partage de notre condition bien humaine, j'ai glané pour vous une phrase du philosophe Kant que je trouve assez réconfortante. Kant nous dit « L'homme veut la concorde, mais la nature sait mieux que lui ce qui est bon pour son espèce. Elle veut la discorde. » Pour ce philosophe allemand du XVIIIe siècle, si nous vivions en parfaite harmonie, nous ne serions que des plantes, ou plutôt des plantes, tandis que les désaccords permettent de progresser vers plus d'humanité. Voilà pourquoi nos petits bobos, nos altercations ont une vertu, celle de nous apprendre à coopérer, de nous faire sortir de notre inertie naturelle et de nous pousser à aller de l'avant. Inutile alors de regretter un hypothétique âge d'or dans lequel les hommes seraient tous aimants et heureux. La cupidité, l'instinct de domination, la jalousie, bref, vous savez, tous nos travers sont en réalité la clé de notre humanité, car elles nous oblige à développer notre intelligence, à terme notre moralité. Et grâce à la discorde, nous pouvons en effet espérer que l'homme apprendra à cultiver son ouverture, lui permettant de mieux vivre avec ses semblables. C'est donc une excellente nouvelle qui nous permet de discuter, comme nous le faisons ici à l'antenne d'Europe 1, de nos bleus à l'âme, qui s'avèrent être aussi le fondement de ce que nous avons de meilleur. Et puis merci, chère Ginette, de nous adresser le vers de Baudelaire que j'ai cité hier soir, mais qui n'était pas dans son intégralité. Alors je vous le redonne parce qu'il est tout à fait magnifique. Et il dit « Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille ». Merci Ginette. Alors Jeanne et Geoffrey sont bien là, fidèles au standard, ce soir au 39-21, pour accueillir vos appels. Et Julien Jaffray réalise avec bonheur cette émission. N'oubliez pas que si un sujet vous touche, vous pouvez à tout moment réagir et demander à dialoguer en direct avec un auditeur en appelant 39-21. Et puis bien sûr, réagir à ce que vous entendez par SMS en composant le 739-21, commençant votre texto par le mot « nuit » ou envoyez un mail sur le site europe1.fr. 39-21, j'attends vos appels. Europe 1, Sophie Peters. Bonsoir Juliette. Bonsoir. Sophie. Oui, vous pouvez parler. Oui, vous pouvez parler un tout petit peu plus fort Juliette parce qu'on vous entend à peine. Voilà. Voilà. Merci. Je suis tout près. Voilà. Voilà, je ne sais pas par où commencer. Donc, j'ai envoyé un petit message pour parce que j'ai des soucis de, comme beaucoup de gens, j'imagine, de couple. Oui. Et puis nous, notre problème, c'est le dialogue, c'est le manque de dialogue. Mmh. Je n'arrive pas à lancer, je lance le sujet, mais il n'y a pas d'accroche. Non, c'est tout est de ma faute. Ah oui. En général, il parle pas beaucoup, votre homme, ou c'est un bavard, un taiseux? Pas trop. Non. Il se renferme plutôt. Il dit pas grand chose, non. Il a toujours été, peu expansif, peu dans le dialogue. Ou c'est nouveau, il y a un changement? Au début, on échangeait beaucoup. Justement, ah oui. C'était ce qui m'avait plu chez lui, c'est que j'arrivais. Que moi-même, j'ai jamais été très expansive avec les hommes, mais avec lui, justement, je me sentais à l'aise. Ah oui, donc c'était une des vertus de votre couple, c'était le dialogue, oui. Justement. Oui, très à l'écoute, très compréhensif, très... à la limite, c'était presque trop, parfois. Ah oui. trop gentil, parce que je le trouvais trop gentil, mais... Et d'après vous, Juliette, qu'est-ce que vous repérez dans le temps qui a changé, qui a modifié son comportement? Le fond du problème, je le connais très bien, c'est que il est, on a les relations intimes sont moins fréquentes, on a moins de rapports, depuis les enfants. Et il en parle de ça, il vous en veut un peu. Oui, il me le reproche. Il vous le reproche. Il me dit, tu sais très bien ce que je veux, c'est, tu sais où est la clé du problème, et d'après lui, c'est... Elle est là. Elle est là, mais moi, j'ai pas envie parce que... Oui, parce que... Parce qu'il est parfois pas très sympa avec moi. Bah oui.
Parce qu'il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'intimité. Une femme, pour pouvoir se donner, elle a besoin d'être en confiance, d'être dans l'intimité, puisque c'est une relation intime. Oui, et ne pas tout de suite aller droit au but, par des gestes tendres, des mots gentils. Bien sûr, un peu de séduction, oui, un minimum, minimum en tout cas. Oui, c'est sûr que si vous dites... Et ça, vous lui dites qu'avec son comportement et des reproches et des mots désagréables, ça vous donne pas très envie de faire des câlins? Je lui dis, mais... Vous voyez, c'est à deux. Ça l'énerve plus. Oui, ça l'énerve plus. Oui, mais on est toujours deux dans une situation qui bloque. C'est-à-dire que, vous voyez, chaque comportement entraîne un autre. Plus lui, il est désagréable et vous reproche, moins vous allez vous ouvrir à la tendresse ou aux caresses, j'allais dire. Et à l'inverse, vous voyez, s'il avait... il changeait un peu d'attitude, du coup, vous pourriez aussi changer la vôtre. Enfin, c'est ensemble. C'est ensemble que ça se passe. Vous pouvez rien faire toute seule et lui, alors effectivement, faut qu'il y en ait un qui fasse un petit pas vers l'autre. Oui, j'en ai fait souvent aussi. Et ça fonctionne pas mieux. Mais pour citer un exemple, manque de peau, il y a maintenant plus de trois mois, j'avais ma visite annuelle chez la gynécologue et bien sûr, j'avais une pilule troisième génération j'ai 45 ans et je suis tombée sur le remplaçant qui m'a dit il vaut mieux arrêter même si vous ne fumez pas, bref. Et il m'a proposé un autre moyen de contraception que j'avais déjà essayé, le stérilet, mais je l'avais pas supporté et je voulais autre chose et il m'a rien proposé d'autre. Il m'a dit vous réfléchissez et il m'a laissé comme ça. Je suis sortie, j'avais aucune contraception. Donc, forcément, il faut faire attention ou se protéger. Et ça, déjà, ça l'a énervé. Et puis moi, ça m'a bloqué aussi parce que quelque part, je crois que ça m'arrange. Oui. Ça m'arrange parce que j'ai plus aucun, j'ai, vous avez plus de désir pas, plus, mais non plus, mais vous avez plus de désir. Plaisir c'est une fois sur sur cinq. Oui. Mais j'en ai pas parce que je sais que tout se passe dans la tête, c'est que mais oui et vous êtes bloquée là, bien sûr Juliette. Et je sais que comme il est en manque, il va sur des sites, je l'ai déjà surpris. Alors il s'en cache pas trop. Il s'en est pas caché. Il m'a dit mais j'ai besoin de ça. J'ai besoin de voir. Mais du coup ça crée une tension terrible entre vous. Vous voyez, c'est-à-dire que vous ça vous rétracte complètement. Lui ça le rend plus tendu. Mais vous avez pensé aller voir ensemble un thérapeute? J'ai fait la démarche et il veut pas y aller. Alors il y a deux ans j'avais réussi à l'entraîner, il a été à deux séances. Oui. Et on avait pu un petit peu parler, mais en deux fois il y a rien qui peut vraiment se résoudre. Et il y a à peu près six mois, un an, j'y suis retournée. Je dis j'y vais déjà toute seule. Oui. Et puis, si tu veux venir, la porte est ouverte. Et non, il a jamais voulu y aller. Ah oui, donc il n'aimait pas beaucoup du sien non plus. Non, oui, finalement, il veut absolument ce qu'il veut, mais il ne crée pas les conditions. Vous voyez, le problème n'est pas du désir. Bon, c'est très bien et c'est normal. Mais quand on a un certain désir et qu'on en est un peu responsable, on crée les conditions pour que ce désir puisse s'exprimer, le partager avec l'autre. C'est évident que sa femme, on lui demande pas de s'allonger et hop, quoi. Enfin, vous voyez. Surtout quand la situation est déjà elle-même un peu compliquée. Donc il suffirait peut-être d'un peu plus de tendresse ou de séduction masculine envers vous pour vous rendre plus douce et plus accueillante. Oui. Et ça, est-ce que ça vous lui avez dit, Juliette, que la façon dont... Mais oui, je lui ai dit encore la dernière fois qu'on a été
on a été tous les deux proches. Il, au lieu de, je sais pas moi, venir vers moi, me caresser la nuque, je lui dis, mais tu sais ce que j'aime, pourquoi tu... Oui, puis ça se passait bien avant. Oui, oui. Oui. Et là, il va directement aller, bon, maintenant, tu, hop. Puis on sait que... Si j'ai envie de ça, oui. Non, je dis, écoute, non, ça. Et ça, c'est depuis les enfants, ils ont quel âge les enfants maintenant? 7 et 10. D'accord. Bon, le grand, il nous pompe beaucoup d'énergie. Oui, oui. Il a des problèmes de comportement. Oui. Donc, souvent, on se dispute aussi. On n'est pas d'accord sur. C'est-à-dire que la tension, bien sûr, entraîne. Cette tension-là en entraîne d'autres. Oui. Vous voyez, Juliette. Oui. C'est vrai aussi qu'une femme, après des grossesses, elle a sa libido qui dégringole un peu avant que ça remonte. Donc, pour vous, c'est aussi un certain passage parce que, le corps peut être plus fatigué, on est monopolisé par des enfants bas âge. Enfin, il y a tout ça qui se passe. Maintenant, est-ce que la solution un peu romantique, d'un petit dîner en amoureux aux chandelles, vous vous faites jolie. Est-ce que vous voyez, parce que la sexualité d'un couple, elle a aussi besoin d'un couple établi, d'une forme de mise en scène, enfin un peu de choses ludiques autour pour que le désir puisse s'exprimer. Donc d'avoir des petites attentions, une soirée un peu plus romantique, un bon dîner, un lieu sympa. Enfin, oui, mais je sais que ça pourrait éventuellement. Mais moi, mon rêve, c'est un week-end sans les enfants, parce que depuis... C'est une super idée, depuis ça. On a passé un week-end depuis qu'ils sont ans, nés. C'est pas assez. Mais le souci, c'est qu'on n'arrive pas à les faire regarder tous les deux. Il n'y a pas de grands-parents. Si, il y a des grands... Il y a ma maman, parce que c'est lui n'a plus ses parents, mais ma mère n'en garde qu'un à la fois. Ah, zut. Donc, c'est toujours un peu compliqué d'arriver à faire garder les deux. Ah oui. Et on a, exceptionnellement, on a écrit, votre maman est trop fatiguée pour garder les deux. Elle veut pas trop. Elle parce veut que pas. Le grand est un peu turbulent. Turbulent, ouais. Et les deux ensemble, ils se chamaillent beaucoup. Donc ouais. Non, non. Ça, j'ai laissé tomber. Ou chez un petit copain, ou vous voyez, se rendre des services entre parents. Oui. Une fois, vous prendrez les enfants d'un autre couple, et puis. Il faudrait que, effectivement, j'ai cette solution dans la tête. Oui, oui. Et ça, vous en avez discuté, parce qu'effectivement, c'est impossible. Enfin, un couple, vous n'avez pris qu'un week-end ensemble depuis 10 ans, c'est pas assez, évidemment. Mais non, c'est pas assez. Non. C'est pour ça, je sais que. Et j'ai remarqué aussi que, c'est tendu à la maison, donc à peine on se dit bonjour. Oui, il y a les soucis qui arrivent, choses à gérer. Mais quand on est avec des amis ou à une fête, on se rapproche, je le retrouve, la musique, il y a des musiques qui me... Oui, c'est ça. De lui, qui me... Oui, bien sûr, ce que je vous disais, il faut une ambiance, Oui. Et quand il y a des soirées comme ça, après, vous pouvez rentrer un peu plus câlin de la soirée, un peu plus proche, ça se passe mieux. Oui, bon, ça, oui, mais ça, oui. Oui, il y en a pas souvent. À part ces dernières semaines où c'était un peu tendu. Ouais. Mais oui. Et en vacances, vous êtes même pas partie en vacances avec les enfants cet été? Si, mais ça a été une catastrophe. Ah. Parce que bon, on s'est retrouvés. Une fois couchés, vous voyez, vous faites un petit dîner. Non, justement, non, parce que bon. Vous les couchez pas tôt, vos enfants, c'était 10 ans. Vous les couchez à 8 heures, et après, c'est la soirée des parents, hein, Juliette. Oui, mais le problème, c'est que j'ai eu la mauvaise idée de. On est parti faire une croisière d'une semaine. Ouais. Et sur un bateau, ça ne lui a pas du tout plu. Ah. Je pensais qu'il y aurait plus de couples de nos âges. Oui. Et finalement, on s'est un peu retrouvé avec le club de bridge. Mais, donc, ça ne lui a pas plu. Pauvre. Donc, j'ai eu des reproches pendant une semaine. Oh, zut. Donc, on ne sait pas. Oh, vous n'y pouviez rien, vous pensiez bien faire. Et voilà. Je pensais bien faire. Il y avait... une animatrice à disposition pour les enfants. Mais donc vous étiez... Et vous n'arriviez pas à vous isoler dans votre cabine malgré que le fabrique, non, il s'est complètement mis en retrait. Il a détesté d'emblée et il s'est mis... D'emblée, c'était nul. Et c'était de votre faute, évidemment. Ah bah oui, forcément. Ouais.
Ah oui, ça c'est pas très cool, Juliette. Ouais, parce que il prend pas sa part, vous voyez, il veut des choses, il a des désirs, mais il prend pas sa part, il est pas très bienveillant, vous voyez, avec non, vous. Non, 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 c'est ça qui va pas. Alors faire des câlins avec un homme qui est pas bienveillant avec soi, voilà, c'est pas, c'est vrai. C'est pas tentant, hein. Franchement, oui. Oui. Il faudrait arriver à lui faire comprendre qu'il est, il a aussi sa part. Vous voyez, quand il vous fait des reproches, par exemple, sans lui faire à votre tour un reproche, mais l'interroger sur ce qu'il est en train de dire. Par exemple, bon, si on prend l'exemple de la croisière, voilà, d'essayer de dialoguer en faisant valoir votre position, en lui montrant que la sienne n'est pas juste, vous voyez. Oui, oui, oui. Mais le problème, oui, c'est après. Sans prendre leur proche pour vous, parce qu'il ne vous appartient pas, c'est son problème, oui, s'il n'est pas content. Le problème, c'est que je suis un peu susceptible aussi. Je vais te oui, prendre, bien sûr. Il faut lui renvoyer. Non, c'est à lui, c'est pas à vous. Faites la part des choses. Parce que d'abord, vous allez vous protéger. Puis du coup, ça va lui permettre de prendre conscience de ce qu'il fait, lui. Enfin, de qu'est-ce qui se passe quand il dit ça. Il ne peut pas en prendre conscience, parce que si vous attrapez le reproche tout de suite pour vous en saisir et en redonner un autre ou vous braquer, ça prouve que ça confirme sa façon de faire avec vous. Donc il faut lui montrer que non seulement que ça ne marche pas, mais que ça glisse. Que ça ne vous appartient pas, que c'est son problème à lui, et que s'il veut le résoudre, il faut qu'il y mette un peu du sien. Oui. Vous voyez, donc il faut que vous changiez un petit peu de posture par rapport à lui, il faut que vous changiez d'attitude. Oui, il faut que de tout prendre. Oui, vous ne prenez pas au pied de la lettre. Oui. Voyez, vous lâchez, et s'il vous fait des reproches, lui montrez que le reproche est infondé, que ça lui appartient en partie. Que s'il n'est pas content de la situation, vous êtes deux, à ce moment-là, on y réfléchit à deux. Mais vous ne portez pas tout. Ce n'est pas à vous, tout. Vous n'êtes pas responsable que tout aille mal. Donc, si ça va mal, à ce moment-là, on est deux et on en discute. Mais puisque, voilà, manifestement, il a des difficultés à en parler. Mais vous voyez, il faut qu'il reprenne pied dans la relation, lui. Qu'il prenne sa part. Ce n'est pas normal qu'il aille faire la gueule pendant la croisière, vous voyez. Alors ça lui plaît pas, d'accord, donc vous manifestez que vous comprenez que ça lui plaît pas, et vous le voyez bien, vous lui dites en disant je suis désolée, mais voilà, c'est, il peut faire en sorte que la croisière soit pourrie, et puis il peut faire en sorte que la croisière soit sympa, il peut aussi mettre du sien, ça va lui mettre du sien, c'est un joli terme de notre langue française, hein, donc il met du sien, c'est il met du soi, il met quelque chose à lui et pas tout à vous. Donc pensez à ça, qu'il y mette du sien, et pour qu'il mette du sien, il faut lui laisser sa part. Sinon, il ne pourra pas la prendre. Si vous prenez tout, il n'a plus sa place. Vous voyez ? Donc il faut rééquilibrer. Ouais. Et puis dernièrement, là, après je pense, j'en sais rien, ce sont des menaces en l'air, mais voilà, si ça continue, je vais aller voir ailleurs. Ça, c'est la dernière... Le dernier chapitre. Ah, sympa, c'est des menaces maintenant. Le dernier chapitre, c'est des menaces. Ouais, Juliette, c'est effrayant, quoi. C'est si tu n'obéis pas, c'est de la tyrannie. Ça s'appelle de la tyrannie, vous pouvez lui dire en riant. Vous voyez, il faut que vous soyez un peu plus légère, un peu plus distante. Si vous y arrivez, c'est pas facile, mais en éclatant de rire, en disant maintenant c'est des menaces, ça s'appelle de la tyrannie, quoi. Il faut obtempérer. Pour lui montrer, il faut qu'il prenne conscience, parce qu'il n'a pas conscience de ce qui se passe. Donc, comme vous comprenez un petit peu ce qui se passe, il faut vous extraire de ça pour le montrer, pour le dénoncer, pour le montrer en pleine lumière. Et peut-être que là, ça va faire un choc. Il va dire non, mais c'est vrai, c'est parce qu'un copain lui raconterait ça, ça ne tient pas debout. Vous voyez ? Bon, et il y a un auditeur qui dit vous pouvez peut-être profiter de la soirée pour faire appel à un babysitter, hein, ou une babysitter. Oui, ça on le fait régulièrement. Oui, on va au ciné.
Bon, mais Juliette, surtout, ne rentrez pas dans la spirale des reproches où c'est vous la mauvaise, la coupable, etc. Hein. Oui. Rentrez pas là-dedans, essayez vite d'en sortir de ça. Hein. Oui. Laissez-lui ce qui est à lui, montrez que vous êtes de bonne volonté, que vous voulez bien arranger les choses, vous aviez proposé le thérapeute, et la croisière, etc. Vous faites votre part, mais s'il n'est pas dans le bateau, c'est le cas de le dire, hein, s'il oui. reste dans la cabine, le bateau, vous ne pouvez pas manœuvrer tout toute seule. Donc, à un moment donné, il faut que vous soyez deux. Oui. Ah, il y a Carmen qui dit essayez de lui écrire ce que vous ressentez, ce que vous voulez, et organisez un après-midi quand les enfants sont à l'école. Oui, je lui ai écrit une lettre de 3 pages. Oui. Ah oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc je l'ai postée et j'ai vérifié le lendemain dans la boîte aux lettres qu'elle était bien arrivée. Oui. J'ai refermé la boîte aux lettres et donc le soir il relève toujours le courrier. Puis je me dis bon, pas de réaction. Mais le lendemain tu as eu ma lettre. Quelle lettre? Je dis bah écoute, fais pas le hein, ne me prends pas pour une cruche. Oui. Je t'ai écrit. Hein. Oui. Oh, n'importe quoi. Et dans cette lettre, bon. Oh, c'est terrible. Donc il était dans le déni. Il vous a dit qu'il ne l'avait pas reçue. Oui, oui. Voilà. Quelle lettre, oui. Quelle lettre. Oui. Et non, mais il se met des œillères. Oh, mais c'est méchant, là. Vous voyez, je trouve ça méchant, Juliette. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette lettre? Mais il y avait, bon, alors je lui... Je faisais un petit peu le point sur nous, mais je lui parlais de la croisière, que voilà, qu'il n'avait pas à tout me reprocher, que notre vie intime, voilà, je suis pas un objet sexuel, donc des choses comme ça. Bon, c'était un peu quelques reproches. J'abordais des thèmes comme ça, je mettais des chapitres, nous deux, les enfants et rien. Et à la fin, il y avait quand même une ouverture. Je disais pourquoi est-ce que on prendrait pas le temps d'un week-end de se retrouver. Il y avait une ouverture, il y avait un désir de... Il y avait un espoir de... Pour moi, je sais que il y a toujours moyen d'améliorer les choses. Et j'ai envie d'améliorer les choses, mais faut qu'il m'aide et faut... Et je lui donnais des... quelque part, je lui donnais des solutions dans cette lettre en disant, voilà, tu me traites pas comme ça. Non... Depuis, on n'en a même pas discuté. Ah ouais, non mais... Ouais, c'est très violent ce que vous me racontez, Juliette. Alors, il y a un auditeur qui dit qu'elle devrait essayer de l'inquiéter en se montrant indifférente et en laissant des zones de doute. Oui, parce que comme il est un petit peu, quand même, un petit peu méfiant, jaloux, je dirais pas, méfiant, on va dire, oui. Oui, mais alors là... Oui, pourquoi pas. Oui. Mais je sais pas trop comment. Je sais plus trop quoi faire. Oui, je vous comprends, Juliette. Il faut surtout que vous vous. Oui, est-ce que, pardon? Est-ce que je suis de nouveau la petite femme docile. Non, j'ai plus envie. Maintenant, j'ai plus l'âge de. Je sais ce que je veux et surtout ce que je veux plus. Et alors lui, oui, il faut notre sexualité n'a pas évolué. J'ai envie d'essayer d'autres choses, mais non. Il faut bien s'entendre pour essayer d'autres choses, vous voyez. Ouais, bah oui, pour qu'une sexualité soit un peu créative et on va dire aventurière, il faut une super bonne entente. C'est pas, voyez, vous êtes pas un objet, Juliette. Donc c'est pas parce que vous êtes mariée sa femme, il y a quelque chose qui va pas. Vous n'êtes pas un objet. Il y a Olivier qui dit, alors c'est un peu brutal, mais je vous lis quand même son message. Il dit cet homme ne vous aime pas vraiment, il fait pas d'efforts. C'est vrai ça, il fait pas d'efforts. C'est pas de l'amour ça. Non, c'est Mais bon, après c'est une longue histoire, donc c'est toujours pareil, un couple, c'est une longue aventure, hein. Donc bien sûr qu'il y a des hauts et des bas, mais en tout cas, voyez l'histoire de la lettre. Il y en a un qui dit non, mais le coup de la lettre, il est pas chouette, qu'elle laisse tomber, quoi. Il est pas intelligent, cet homme, quel gamin. Vous voyez, les auditeurs sont vraiment avec vous, Juliette, très content. Oui, c'est lui qui me traite de gamine. Ah oui, écoutez. Non, oui, c'est...
Non, je crois vraiment là, il faut que vous, là vous abordiez un peu une autre phase, vous protéger parce que ça va vous, voyez, enfin ça vous atteint quoi, ces reproches, ça va finir par vous déstabiliser personnellement et ça c'est vraiment ennuyeux. Donc essayez de le faire bouger en changeant un petit peu d'attitude et en lui montrant que voilà, que les reproches ça glisse un peu et que il va, c'est pas comme ça qu'il va y arriver. Voyez, montrez-lui que s'il veut que les choses se passent bien, il y a d'autres moyens de faire ou de s'entendre. Essayez, oui. Hein, oui, Juliette. Mais faites attention à vous là, quand oui, même. Oui, faites un peu attention à vous parce que c'est pas facile ce que vous vivez et c'est un peu violent. Bon courage Juliette et merci de beaucoup, nous avoir appelé. Au revoir merci Juliette, bonne soirée. Bonsoir. Au revoir. Sophie Peters sur Europe 1, 39-21, 34 centimes la minute. Sophie Peters jusqu'à 1h sur Europe 1. Bonsoir Chantal. Oui, bonsoir Sophie. Oui. Oui, donc je vous appelle parce que je voulais un petit peu partager mon expérience oui. de vie. Mmh. Et je voulais aussi réagir par rapport à une personne qui a témoigné hier dans l'émission. Et donc, je n'ai entendu que la fin de son témoignage et qui parlait. Donc, vous lui avez dit qu'elle avait affaire à un dragon et qu'il n'était pas nécessaire de le nourrir. Mmh. Et cela m'a fait penser beaucoup à mon ex-mari. Et donc, j'ai voulu appeler. Oui. Et après, bon, maintenant, aujourd'hui, je suis un petit peu plus intimidée. Je ne sais pas si je vais réussir à m'expliquer. Moi aussi, voilà. Si, on vous entend très bien. On est ensemble, il n'y a pas de souci, Chantal. C'est parfait. D'accord. En fait, voilà, ce qui se passe, c'est que j'ai vécu deux drames dans ma vie. Oui. Un en 1985, donc un divorce pas commun du tout. Mon ex-mari faisait un stage à Paris pour tenir un cabinet d'assurance. Je vais essayer d'aller très vite. Oui. Et puis, donc, il a rencontré une monégasque qui faisait le même stage à Paris pour tenir un cabinet d'assurance. Donc, à partir de là, moi, j'étais mère au foyer avec trois enfants. Mon mari est tombé amoureux d'elle, enfin, tous les deux. Et donc, elle est venue s'installer en Bretagne, dans le Finistère. Mmh. Et donc, moi, j'avais donc mes trois enfants à la maison et les deux aînés ont été détournés par le couple. Et la fratrie a donc été séparée puisque j'avais un petit garçon de 2 ans et demi. Voilà, et il est parti avec les deux aînés. Avec les deux aînés. Donc, moi, j'ai écrit au juge des affaires familiales oui. pour lui demander, donc, pour lui expliquer la situation. Et il m'a répondu que les enfants étaient autant au père qu'à la mère. Et que si je voulais donc obtenir la garde, il fallait que je fasse une procédure de divorce. Mmh. Donc c'est ce que j'ai fait. Mais ils n'ont pas répondu parce que la maîtresse de mon mari était licenciée en droit. Et elle connaissait très bien toutes les ficelles, comme on dit. Et donc ils ont laissé traîner. Si bien que gagnant du temps sur les enfants, ils ont réussi à les embrigader et à les détourner. Oui. Donc, au bout de 3 ans, en 88, après plusieurs tentatives de revoir mes enfants, c'était toujours des fins de non-recevoir et je ne les voyais plus. Par contre, le moment où moi je devais envoyer mon petit garçon les voir, donc je le faisais et puis je le récupérais comme il fallait. Et à la fin, j'ai tout arrêté aussi parce que j'avais aussi peur de perdre mon troisième enfant. À la suite de ça, donc le divorce a été prononcé, mais il m'avait dit « tu reverras tes enfants si tu signes le divorce ». Alors, c'est ce que j'ai fait. Et par la suite, ils se sont éloignés, ils sont partis vivre de plus en plus loin. Voilà, ouais. Et pour en finir, ils ont tenu un cabinet d'assurance à Quimper, où ils ont détourné beaucoup d'argent. Donc, leur cabinet a été retiré. Enfin, il y a eu un contrôle. En liquidation. D'accord. Ils ont ensuite acheté un autre portefeuille d'assurance à Etel, qui était un bon portefeuille. Les gens partaient en retraite. Donc, avec mes deux enfants et donc sa nouvelle maîtresse. Et puis, ils ont donc acheté le portefeuille. Avec l'argent du portefeuille, ils ont retapé toute la maison. Ils ont donc utilisé l'argent du portefeuille. Et quand il y a eu une tempête en 87... Eh ben, les pêcheurs sont venus réclamer leur dû et évidemment, il n'y avait plus d'argent dans les caisses. Donc, ils ont été encore rejetés. Et ils sont arrivés à Monaco, donc dans la famille de cette femme-là, qui était donc issue d'un milieu aisé, riche, célibataire, et qui voulait des enfants. Malheureusement, elle ne pouvait pas en avoir. Donc, ils ont voulu reconstruire une famille avec mes deux aînés. Mmh.
Ensuite. Et pendant tout ce temps, Chantal, vous n'aviez plus aucun contact avec vos enfants? Non, si, je recevais des lettres épouvantables en me disant, donc c'était les adultes qui écrivaient, les enfants. Et il n'y avait pas moyen de saisir la justice durant tout ce temps? Si, j'ai saisi la justice. Que vous étiez la maman plusieurs fois. Oui. Et à chaque fois qu'il était convoqué, devant le juge, il venait avec ses enfants qui étaient montés contre moi et qui disaient « on ne veut pas revoir notre mère, on n'aime pas notre mère ». D'ailleurs, je ne m'appelais plus maman, on m'appelait Chantal. Je n'avais plus... Ils ont été manipulés. Bah oui. Ils étaient petits hein, quand ils sont partis. Ils étaient petits, il y avait 11 ans quand même. Oh là là. Je l'ai élevé jusqu'à ses 11 ans et mon fils avait 7 ans. Ouais. Et l'autre avait 2 ans et demi, le plus petit. C'est terrible. Donc, à la suite de ça... il y a eu donc plusieurs plaintes de non-présentation d'enfants jusqu'au jour la dernière entrevue avec la justice, c'était à Brest où le juge a dit écoutez madame, vous verrez vos enfants quand ils seront grands. Bon, j'ai donc accepté la situation et j'ai continué à élever mon petit garçon de 2 ans et demi. Oui. Qui à 7 ans a voulu aussi aller voir son père parce que il y avait un manque de son frère et de sa sœur. Oui. J'ai appelé mon ex-mari pour lui dire écoute, il y a Pierre Alain qui veut aller vous voir. Oui. Et passer 15 jours avec vous, est-ce que vous êtes d'accord? Alors, tout de suite oui, c'était possible. J'ai reçu le billet d'avion, l'aller-retour quelques jours par la suite et donc je l'ai laissé aller. D'accord. Oui. J'ai pas eu de signe de nouvelles pendant 15 jours. Je dis, je vais les laisser tranquilles, je vais pas intervenir, je vais pas demander de nouvelles. Voilà. Et puis, le jour où il devait revenir, 15 jours après, donc, c'est l'huissier qui arrive chez moi pour me dire que l'enfant ne voulait plus revenir à la maison, qu'il voulait vivre avec son père, sa mère et enfin, toute la famille, qu'il ne voulait plus revenir avec moi. Alors là, aussitôt, j'ai fait un référé. Oui. J'avais l'autorité parentale à ce moment-là. Oui. J'ai fait un référé, j'ai pris l'avion, je suis allée sur Nice, où j'étais reçue par le juge. Et à la suite de ça, je suis partie. Alors, je me suis perdue dans Nice parce que je ne connaissais pas Nice. Oui. Enfin, bref, donc le juge m'a reçue, je lui ai expliqué la situation. Il m'a dit, allez récupérer votre enfant et il n'y a pas de problème. Donc, je suis arrivée à Monaco, où j'ai essayé de repérer les lieux. Alors, j'étais très, très heureuse d'être arrivée à Monaco parce que je n'avais pas vu mes enfants depuis très longtemps, que j'espérais tout le temps les voir à la télé en regardant les trucs à Monaco, enfin, toutes les festivités. Je les verrai peut-être là. Tous les cadeaux que j'envoyais, anniversaire, Noël, étaient ramenés chez ma belle-mère. Enfin, c'était épouvantable. Oh là là, je recevais des lettres de mes enfants. Tu n'es plus notre maman, laisse-nous tranquille. Oh là là. Et aujourd'hui, quelle est la situation? Alors aujourd'hui, voilà où je voulais en venir, c'est que donc ma fille avait 11 ans à l'époque. Et donc à ses 18 ans, elle m'a téléphoné et elle m'a dit « Maman, tout d'un coup, est-ce que je peux revenir ?» Alors j'ai dit j'étais surprise évidemment, puis je lui ai dit « Oui, tu peux revenir. » Et donc, elle avait préparé avec ses amis de Monaco une fugue. Et donc, ses amis et elle ont cotisé pour lui payer un billet d'avion. Et donc, je l'ai reçu à Guy Pavard ici. Et évidemment, j'étais très émue. Et donc, voilà. Vous ne l'aviez pas vue depuis l'âge de 11 ans, alors? Voilà, je ne l'avais pas vue. Oui. Et alors, à partir de là, donc, je l'ai scolarisée à Landerneau, dans un lycée. Oui. Mais la majorité monégasque était à 21 ans, oui. Où mon ex-mari et ses parents, qui étaient à Landerneau, ont encore tout fait pour essayer de la reprendre, la redéstabiliser, la ramener à Monaco. Enfin bref, on a eu une vie d'enfer encore pendant ce temps-là. Oui. On n'arrivait pas à trouver la paix. C'est une vie d'enfer, Une vie d'enfer. Donc, ce qui fait que... Après, il y a eu un petit peu de répit, donc ma fille a continué sa scolarité, mais en même temps, elle avait perdu ses repères familiaux parce que, évidemment, elle ne m'avait pas vue depuis longtemps. C'est ma mère qui l'élevait, enfin, qui l'a gardée quand moi je travaillais, c'était sa mamie. Et quelques mois après, elle a rencontré un jeune homme aux fêtes foraines de la ville. Et donc, elle est tombée amoureuse de cet homme-là. Et voilà, il n'y avait plus rien à faire. Moi, je lui avais complètement déconseillé, évidemment, de le suivre parce que j'avais un pressentiment. Et effectivement, ma fille elle a eu 2 enfants avec cet homme-là. Oui. Et la petite avait donc, très un jeune. An et demi. Et comme il était violent, elle a voulu le quitter. Oui. Et il l'a assassiné. Voilà. Si bien que moi, je me suis retrouvée avec 2 petits, donc ma petite fille, 1 an, 1 mois et demi,
Attendez. Votre fille a été assassinée ? Oui, assassinée par son concubin qui était violent. Et donc il y a eu un jugement Non, en fait, ils étaient mariés. Oui. Elle avait entamé une procédure de divorce. Et dès qu'il a su ça, en fait, elle était venue se réfugier chez moi parce qu'elle recevait des coups. Et quand il a appris ça, ben évidemment, il l'a retrouvée dans une rue et il lui a asséné 18 coups de couteau. Donc elle est morte. Mais il y a une police quand même dans ce pays, oui. Chantal. Ça... Oui, ben justement. Et la police, c'est très très bizarre parce que il n'avait pas le droit de s'en approcher parce qu'elle avait déjà fait des mains courantes à la gendarmerie et il ne devait pas l'approcher normalement, mais il l'a fait quand même, quoi, si vous voulez. Il était pas maîtrisable. Donc j'ai élevé ces enfants qui ont maintenant 17 et 18 ans. J'ai eu beaucoup de mal avec l'un d'eux. Oui. Et donc, comme elle était venue vers moi et qu'elle est morte, en fin de compte, à côté de chez moi, c'est la belle-famille, mon ex-mari, m'ont fait porter le chapeau. C'est ta faute si elle est morte, enfin bref. Oui, donc j'ai élevé ses enfants toute seule. Oui, oui. Bon. Alors après ça, comment vous dire, en fait le but de ma question, bon après il y a eu un répit, je retrouvais mon équilibre, j'ai élevé les enfants, bon, je suis donc, pas malheureuse, j'ai fait le deuil de tout ça. Oui. Mais ce qui se passe, c'est que mon fils, qui a maintenant plus de 30 ans, a deux enfants aussi. Et quand on se voit, eh ben, je suis paniquée, je n'arrive pas à retrouver le lien avec lui. Parce que quand il était petit, on était en fusion. Et maintenant, il avait 7 ans et je l'ai perdu du jour au lendemain. Oui. Et maintenant, je le revois. Et vous l'avez revu, il avait quel âge ? 25 ans à peu près. Oui. Et quand je le revois, j'ai mon cœur qui bat. Comme là, maintenant, quand je vous téléphone, j'ai mon cœur qui bat. Et bien là, quand je le revois, c'est pareil, j'ai mon cœur qui bat. Je voudrais le prendre dans mes bras, être dans... dans et la fusion comme quand il était petit. Et puis, ben, il n'y a plus de possibilité parce que je n'ai pas l'impression de... Bah, bien sûr, il a toutes les années perdues. Lui, il est comment avec vous ? Et dans le même état que moi, déstabilisé aussi. Bah oui, Chantal, mais toute l'histoire que vous me racontez... Vous êtes fait aider, Chantal, votre histoire, vous êtes allée la raconter à Eh bien, justement, quelqu'un. J'aurais bien voulu pouvoir la raconter parce bah qu'à oui. cette époque-là, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait rien du non, tout. Non, non, mais enfin, avec un thérapeute, enfin, vous faire aider, avoir un soutien. Pour traverser tout ça, vous vaguement. Ah oui, je suis bagarrée aussi avec la justice. Oui. J'ai effectivement beaucoup de choses, mais. Oui, vous avez été dans l'action, non, mais c'est bien. Pour mon petit-fils, pour mon garçon, il fallait que je garde ma santé. Bien sûr, non, bien sûr, Chantal, mais c'est normal que vous soyez décontenancée et pris dans l'émotion quand vous voyez votre fils, enfin, dans toute cette histoire que vous me racontez, et puis il y a toutes ces années vécues à vous bagarrer pour le retrouver. Enfin, vous voyez, c'est comme si toute la bagarre que vous avez menée pour garder un contact avec lui a pas porté ses fruits. Puis maintenant, avec l'âge, vous retrouvez. Mais il manque... il faut y aller doucement. C'est-à-dire que le lien, il peut pas se reconstruire comme ça. Vous voyez, il peut pas, ça peut pas d'emblée être comme si vous étiez quitté hier ou si vous aviez une histoire sans nuages. C'est normal, mais ce qui serait peut-être bien, Chantal, si vous, comme vous avez l'air assez battante quand même et vous parlez assez facilement, c'est d'en parler avec lui, d'ouvrir la discussion là-dessus. Vous avez essayé ou pas ? Oui, on en a parlé souvent. Il me dit, moi, ce que j'aurais voulu, c'est avoir une maman. Qui viennent avec moi en vacances. Il en a eu une autre, enfin, par procuration. Ouais. Mais est-ce que... Ils ont vécu que 5 ans ensemble. Et après, ça a été épouvantable pour eux parce qu'ils ont connu une succession de femmes auprès de leur père. Et puis, avec d'autres enfants qui sont venus d'autres unions, si vous voulez. Vous êtes loin l'un de l'autre, là, Chantal, actuellement ? Lui, il habite Quimper et moi, j'habite Brest. Ah, donc vous n'êtes pas loin. Oui, vous n'êtes pas loin. Et donc, celui de 2 ans et demi, donc, a rencontré son père ce week-end. Et il avait un coup dans le nez à chaque fois qu'il... Je ne sais pas comment expliquer ça. Et oui, ce que je voulais vous dire, voilà, la question. Oui, parce qu'on arrive au journal, Chantal. Oui. Alors, est-ce que ça vaut le coup de reconstruire une famille sur un
tel état de... Bah, bien sûr, Chantal, enfin, de reconstruire. Vous allez pas, vous êtes battue toute votre vie pour ça. Hein, vous allez pas maintenant Je comprends hein, que maintenant vous êtes face à une situation complexe, mais maintenant que vous commencez à retrouver vos enfants que vous ne voyez plus, ça me paraît très important d'y remettre. Vous devez être un peu épuisée, mais du coup, émotionnellement, c'est fort. C'est là où ça vaudrait le coup de vous faire aider maintenant, parce que vous avez été beaucoup dans l'action. Fort, voilà. Et qu'en fait, l'action a un peu gommé, enfin, dire, en tout cas, ne vous a pas laissé le temps d'être en contact avec vos émotions. Puis maintenant, il y a tout qui remonte. Donc peut-être que là, ça vaudrait le coup de vous faire aider par un thérapeute quelques mois pour justement vous reconstituer une fratrie, une famille avec ce qu'il en reste et comment vous pouvez le faire. Mais bien sûr que oui, ça vaut le coup, Chantal, évidemment. Par contre, que oui. Il faut inclure mon ex-mari parce que c'est son souhait et ce bah non. On se dit, mon fils et moi, il me dit, non, est-ce écoutez, que Chantal, est revenu non. vers nous s'il avait été non. riche et non, non, été... non, non, là, non, mélangez pas tout. Là, c'est votre histoire. Oui, mais Chantal, mélangez pas tout. Là, c'est votre histoire avec vos enfants. Il s'est pas super bien conduit. L'ex-mari en question et le papa, il vous a enlevé vos enfants. Enfin, à un moment donné, il faut garder la mémoire quand même. Oui, tout à donc, fait. C'est à vous. C'est à vous de reconstruire le lien qui vous a manqué. Lui, c'est bon. Enfin, il a joué sa partition et elle est pas très glorieuse. Non, donc, franchement, Chantal, à un moment donné, il faut laisser les choses à leur place et pas que tout mélanger. Vous n'avez pas reconstitué de toute façon une vraie famille. Elle a été tellement abîmée. Par contre, c'est des liens, mère-enfant, petits-enfants, c'est tout ça qu'il faut bien garder. D'accord, Chantal? Non, pas le mari. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage, Chantal, et je sais que vous en avez. Ne restez pas toute seule avec toutes ces émotions, faites-vous un peu aider. Et j'espère que vous allez bien retrouver un lien fort avec votre fils et que ça va aller maintenant. D'accord, je vous remercie. Et que le ciel va s'éclaircir maintenant. Hein, comme en Bretagne, on dit il fait beau plusieurs fois par jour. Oui, donc bah c'est là, comme ça dans n'a la pas vie. Pendant 2 mois. Voilà. Bon courage, Chantal. Merci de nous avoir appelés. Merci. Nous sommes ensemble encore pendant une heure de direct, d'échange, de partage, parler pourquoi pas de vos projets, de vos désirs, de vos envies. L'antenne est à vous, il vous suffit de composer le 3921 pour partager avec nous vos préoccupations ou des événements de votre vie. Vous pouvez aussi échanger avec nous et avec les auditeurs par SMS au 739-21 en commençant par le mot nuit ou nous adresser un mail sur le site d'Europe 1. N'oubliez pas aussi que vous pouvez dialoguer avec un ou une auditrice dont vous partagez les émotions ou auxquelles vous avez envie d'apporter votre conseil. La nuit se poursuit avec au standard Jeanne et Geoffrey et Julien à la réalisation. Sophie Peters sur Europe 1. 39-21, 34 centimes la minute. Pour dialoguer avec Sophie Peters, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 739-21, 65 centimes plus coût d'un SMS. Bonsoir Olivier. Oui, bonsoir Sophie. Bienvenue. Je me permettais de vous passer un petit coup de fil ce soir suite au témoignage la semaine dernière de Claude qui était passé mercredi soir en fin d'émission. Qui voulait partir chez son neveu et sa nièce avec des médicaments. Ah oui. Je sais pas si vous vous souvenez. Tout à fait. Et dans son témoignage, Claude avait parlé de rêves qu'il faisait, enfin, de cauchemars plutôt, qu'il faisait régulièrement, dans lesquels il était, on va dire, poursuivi par des individus malveillants, menaçants, et contre lequel il essayait d'appeler au secours, mais aucun son ne sortait. Je me souviens voilà, très exactement. Bien. Voilà, et ça, ce témoignage m'avait frappé au-delà de la détresse de ce monsieur, parce que je fais aussi de temps en temps ce type de rêve avec d'autres, mais c'est quelque chose qui revient, on va dire, pas régulièrement, mais depuis des années et des années, j'ai de temps en temps ce type un peu
de cauchemar. De cauchemar, voilà. Et il n'y a pas très longtemps, il y a une quinzaine de jours encore, c'était quelque chose d'un peu similaire. J'étais dans une très grande maison et dans le jardin, visiblement, il y avait des espèces d'ombres, des individus qu'on ne peut pas vraiment, identifier, qui m'épiaient, qui me surveillaient. Et donc, j'essayais de les mettre en fuite, mais... Tout en leur courant après, j'essayais d'appeler à l'aide, d'appeler au secours, et c'était la même chose. Rien ne sortait, en fait, comme étouffé, comme si j'étais littéralement, retenu, maintenu, et aucun son ne sortait de ma bouche. Et oui. C'est vrai que c'est des expériences qui sont assez angoissantes, et généralement, le réveil est un peu difficile. Oui, j'imagine, Olivier. Et est-ce que vous êtes en thérapie, par hasard ? Non, pas du tout, pas particulièrement. Non. D'accord. Non, parce que, comme vous évoquez la maison et le jardin, vous savez, quand on fait des rêves de maison et de jardin, c'est qu'on rêve, c'est le moi, en fait, intérieur. D'accord. Et c'est l'inconscient. Enfin, là, on sait que les rêves parlent de l'inconscient. C'est pour ça que ça m'intéressait de vous appeler, parce que vous aviez dit quelque chose comme les rêves étaient un peu... exprimer un peu nos désirs et nos angoisses. Oui, c'est ça, exactement. J'ai un petit peu de mal à décrypter, je vais vous raconter une autre série de rêves aussi qui m'arrive de temps en temps. Moi, dans la vie, j'ai eu une sorte de phobie des poissons morts, je ne sais pas pourquoi. Je fais de l'aquariophilie un peu, mais alors, lorsque malheureusement il y a un poisson qui ne va pas très bien ou qu'il faut sortir de l'aquarium avec l'épuisette parce qu'il est mort, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup de mal à faire, parce que je ne peux pas expliquer ça. Mais voilà, c'est quelque chose qui me révulse littéralement. Il y avait des poissons chez vos parents ? Il y avait un poisson rouge ? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'en ai depuis des années, mais... D'accord. Non. Et donc, il n'y a pas très longtemps, là, il y a deux ou trois nuits de ça, j'ai fait ce même rêve où j'étais dans une pièce qui était remplie d'aquariums. Et dans chaque aquarium, il y avait un ou plusieurs poissons morts qu'il fallait absolument... retirer, et j'étais chargé de retirer ça, et évidemment c'était quelque chose qui était assez difficile à faire, on se réveille très bien, parce que parce que c'est assez difficile, on va dire ça. Ce qui est intéressant dans les rêves, Olivier, c'est de faire le lien, parce que souvent le rêve, il prend des éléments vécus dans la journée précédente, ou les jours précédents, mais souvent la journée précédente, et donc des choses qu'on a, ce serait intéressant de repérer si vous faites ces cauchemars, si vous avez vécu une contrariété forte dans une journée ou quelque chose comme ça, parce que souvent le cauchemar exprime quelque chose qui a été vécu émotionnellement de façon assez forte la journée précédente. Mmh. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, sur les... Alors après, il y a plein de symboles les rêves, parce que le rêve ne... Voilà, le rêve, il parle par mythologie, par symbole, tout ce qui est de l'ordre de l'eau. Et donc, bien sûr, de la mer, on voit la mer, mais même l'eau, l'aquarium et le poisson mort, vous voyez, ça évoque vraiment... Enfin, comme ça, dit de loin, mais sans vous connaître. Enfin, vous voyez, ça peut être un fœtus mort. Donc, c'est peut-être, je ne sais pas si votre maman a perdu avant vous un bébé. Et vous, je ne sais pas si, vous le savez pas. Donc peut-être l'interroger là-dessus ou autour de vous. Enfin, il y a sans doute quelque chose avec ce poisson mort. C'est vrai que j'ai eu pas mal de décès dans l'entourage depuis un an ou deux. Depuis deux ans, oui, il y a eu énormément de décès, et j'ai des personnes autour de moi qui ne sont pas en très bonne santé, on va dire. D'accord. Donc, et ces rêves se sont venus à ce moment-là ? Pas particulièrement. Non. C'est pour ça. L'histoire des poissons, bon, je ne sais pas, ça n'a peut-être rien à voir. Mais alors, par contre, c'est vrai que l'histoire d'être poursuivi ou de mettre en fuite des individus, on va dire, malveillants, menaçants, et sans pouvoir du tout exprimer, enfin, sans pouvoir crier, bien que tentant de le faire. Ça, c'est des choses, ça fait des années et des années. Alors, c'est vraiment épisodique, hein. C'est pas toutes les nuits, c'est pas toutes les semaines, mais c'est de temps en temps, sans qu'il y ait vraiment de rythme particulier. Mais c'est vrai que là, le témoignage de Claude l'autre soir, ça m'a vraiment... je me suis dit, tiens, finalement, il y a peut-être quand même quelque chose à tirer de ça, parce que je suis pas le seul, évidemment, je me rendais compte
à faire ce type d'expérience, et donc il y a peut-être quelque chose... Il y a peut-être, Olivier, quelque chose qui vous effraie, enfin, sur le plan émotionnel, que vous tentez de mettre en fuite, voyez. C'est-à-dire que dans le jardin des étrangers qui viennent et que vous tentez de mettre en fuite, c'est comme si il y avait dans votre inconscient des éléments que vous n'avez pas envie de faire remonter à la conscience, et que vous tentez de laisser là où ils sont, ou en tout cas de les fuir. Donc il y a sûrement une espèce de petite boîte noire là qui a envie de montrer le bout de son nez, et vous, consciemment, pour le coup, enfin, ça crée une telle angoisse que vous essayez de mettre ça en fuite. Donc voilà, alors après, il faudrait creuser dans votre enfance, dans votre histoire, mais ce serait intéressant dans ces cas-là de faire le lien entre ce que vous vivez au quotidien, ou de façon concrète, soit dans la vie professionnelle ou sentimentale, avec les rêves, parce que souvent, ils envoient des messages. En fait, c'est un message codé, un rêve. En fait, c'est un message codé. Donc c'est amusant, il faut le prendre comme... pour ça que la science de l'interprétation des rêves, c'est passionnant, parce que c'est une grande aventure, mais c'est très singulier. C'est-à-dire que Claude et vous pouvez faire le même rêve, qui ne vont pas dire la même chose, parce disent... Voilà. Et puis, ils vous parlent de vous, et de vous de façon très profonde et très singulière. Donc, la meilleure personne pour l'interpréter, c'est vous. Bien sûr, avec l'aide d'un thérapeute, vous pouvez le faire, dans le sens où le thérapeute fera le lien entre votre histoire que vous lui racontez et les éléments de votre rêve. Et puis après, il y a toute la symbolique. Moi, je peux juste vous dire, voilà, la maison et le jardin, c'est très représentatif du moi, donc et de la matrice. Donc, c'est la personne qui se constitue, et on est souvent nous-mêmes comme des maisons, c'est-à-dire entre cave et grenier. Quelquefois, on reste assis dans la même pièce toute sa vie, regarder la même vue. Puis quelquefois, on explore la cave, le grenier, la cuisine, on change de pièce. L'idéal étant de changer de pièce quand même, même d'aller visiter la cave et le grenier quand on peut, Là, c'est vrai que la maison et le jardin, c'était là la dernière fois où ça s'est produit. Mais les autres fois, le thème restait un peu le même. Donc, des individus mal identifiés, des ombres menaçantes, des choses comme ça, où moi, me sentant en danger. Vous sentez en danger, Par moments, dans des lieux absolument inconnus. Et professionnellement, Olivier, est-ce qu'il y a des moments où vous vous sentez en danger ou menacé dans votre emploi ou... Oui, enfin, ça dépend. Oui, voyez. En danger, je fais un métier qui peut être dangereux. Menacés professionnellement, je crois qu'aujourd'hui on l'est tous. Est-ce que ça peut être une angoisse? Vous voyez, c'est intéressant de repérer, de voir qu'est-ce que le rêve raconte de vous, de votre vie. Donc il a sûrement des liens, donc ça veut dire il y a quelque chose où vous vous sentez potentiellement, on va dire potentiellement, dans certaines situations de votre vie, il y a des dangers. Mais et le rêve peut dire lesquels, à partir du moment où vous arrivez à faire les liens, à identifier entre la vie concrète, la vie consciente et l'inconscient. Et en explorant ça, notez-les éventuellement le matin, si ça vous intéresse, vous voyez. Et puis vous les reprenez, parce que souvent on les oublie. Là, vous voyez, vous me le racontez, vous vous souvenez. Mais ce qui est intéressant, c'est quand vous le notez au réveil, il apparaît plein de petits détails. Et puis ce qui est important, c'est le ressenti que vous avez de ce dont vous rêvez. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a des situations racontées comme ça peuvent être effrayantes, mais le ressenti peut ne pas être de la frayeur, ou à l'inverse, la situation n'est pas effrayante, mais le ressenti est de la frayeur. Vous voyez, c'est le ressenti de la personne qui rêve. C'est vrai que dans cette situation-là, je me réveille de façon assez oppressée, quoi, on va dire. Le réveil est généralement en sursaut. Et puis, c'est très angoissant. C'est ça. Et c'est une angoisse. C'est une angoisse qui est dans le sommeil, dans le rêve, mais qui se traduit et qui est bien réel au réveil. Alors évidemment, ça ne dure pas très longtemps parce que ça se dissipe assez vite. Puis en général, on est réveillé parce que, comme on n'a pas pu crier dans le rêve, on s'est rendu compte que les cris ne sortaient pas. En fait, c'est ça qui réveille, paradoxalement. Le fait de sentir qu'on ne peut pas crier, en fait, qu'on est empêché, on est coincé. Et du coup, c'est une telle oppression que du coup, le réveil se déclenche. Oui, c'est ça. Mais bon, en même temps, c'est très bon.
Enfin, je vous rassure, Olivier, c'est sain de faire des cauchemars. C'est quoi, c'est une sorte de soupape. Oui, exactement, exactement. On évacue. Oui, on est très bien fichu, vous savez, les êtres humains. On est bien fabriqués. Et le rêve, l'activité, tout le monde rêve. Hein. Il y a des gens, ils se souviennent jamais de leur rêve le matin. Mais nous, mais tous les êtres humains rêvent. Il y en a qui s'en souviennent, d'autres qui s'en souviennent pas. En général, c'est pour ça que je vous demandais si vous faisiez un travail thérapeutique au début d'une thérapie. En général, on rêve beaucoup et on s'en souvient très bien. Ça remonte. Parce que comme on a mis son conscient en mots, on commence à se raconter, à se dire, alors l'activité onirique en général s'emballe. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que le rêve est très... il nous construit. Donc, qu'il soit cauchemar ou désir, enfin agréable ou désagréable, il est très important pour notre équilibre. Très. D'accord. Donc vous inquiétez pas si vous faites des cauchemars, c'est pas la fin du monde parce que ça permet, comme vous dites, c'est une soupape, ça évacue des tensions accumulées dans la journée ou les jours précédents. Donc tant mieux, c'est une soupape qui se lève. Maintenant, si vous voyez qu'il y a des choses ou des images récurrentes, vous pouvez commencer à enquêter un peu sur l'histoire des poissons morts, sur les gens qui vous poursuivent. Vous voyez, c'est intéressant de faire des liens entre votre personnalité, votre histoire personnelle et puis vos rêves. Et là, vous allez avoir des indications intéressantes sur vous. Vous allez apprendre des choses, voilà. Bon, mais rassurez-vous, je vous souhaite surtout pas de cauchemar cette nuit. Non, pas tout de suite en tout cas. Voilà, on disait faites de beaux rêves, vous savez, aux enfants. Sophie. Merci de nous avoir appelés. Bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir Olivier, merci de votre appel, au revoir. Europe 1, Sophie Peters. Bonsoir Myriam. Bonsoir, excusez-moi, bonsoir. Bonsoir. Donc, je suis un peu intimidée. Oui, c'est normal. Ça fait longtemps que je vous écoute. Oui. Caroline Duplanche. Oui. Et je vous appelle car c'est un peu dur en fait. Oui. Oui, c'est difficile là, Myriam. Oui. Oui. Vous n'êtes pas bien ce soir. Non, franchement. Non, franchement non. Hein. Bah oui, il y a des soirs comme ça où ça va pas bien. Vouliez nous parler de quoi? De votre couple, Myriam, c'est ça? Oui. Oui. Ça fait longtemps maintenant. Oui. Que vous êtes avec lui? Ah non, je ne suis plus avec. D'accord. Ça fait longtemps que vous n'êtes plus avec lui. Oui, je suis divorcée depuis pas mal d'années. Oui. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup traumatisée dans ma vie. Oui. Qui a fait que j'arrive pas à avancer au jour d'aujourd'hui. Ah oui. Et que j'ai peur des hommes. Ah oui. J'ai pas confiance en moi, j'ai pas confiance aux hommes. Et vous avez, suite à cette histoire, Myriam, vous avez essayé de voir quelqu'un, d'en parler, d'essayer de vous réparer un peu? Oui, et ça... Oui. Ça a pas... Non. Ça vous a pas aidé? Non. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Ça tourne encore dans votre tête? Ça vous obsède? Ça m'empêche d'avancer. Quand vous dites le « ça », c'est quoi le « ça » Vous pourriez mettre des mots sur le « ça » qui vous empêche d'avancer? Cette union. Oui. Ce qui a suivi ensuite, c'était quelqu'un de très violent. Oui. Au début, non. Tout était beau, c'était une belle relation. Je pensais que ça allait marcher et tout. Et mais bon, à la fin, le personnage a vite changé. Il est très méchant, très violent, très très jaloux. Il m'a détruit en fait. Oui. Il m'a détruit. Alors, c'est vrai qu'on peut dire il vous est détruit, mais vous êtes, voyez, quand même toujours aux commandes de vous-même. C'est-à-dire que on peut. Alors après, il faut arriver à s'appuyer, hein, trouver de la force. Et ça peut vous paraître facile ce que je dis, mais il faut aussi refuser de se laisser détruire, Myriam. Vous voyez. C'est-à-dire que là, l'union, vous n'avez plus de contact avec lui. Ah non, du tout. D'accord. Du tout. Et c'est comme si ça agissait encore. Avec le temps, c'est ça? Ça fait combien de temps? Maintenant, ça fait
Depuis 2008 que je ne l'ai plus revu. Oui. Donc, et bien avant, j'étais bien séparée de lui 2 ans avant. Oui. Et ça continue à durer, malgré... parce qu'en en fait, de cette union, il y a eu un enfant. Oui. Qui est décédé. Ah, quand ? Qui est décédé quand, Myriam ? Qui est décédé en 2007. Donc après votre séparation ? Moi, j'étais séparée bien avant. Oui. Quand l'enfant était encore nourrisson. L'enfant est décédé nourrisson, donc ? Non, elle était... enfin, elle avait quel âge ? Elle avait 1 an. 1 an. C'est pas ça, Myriam, qui est le plus... Si. Bien sûr, non ? C'est ça dont vous vous remettez surtout pas ? Ça, oui. Et plus... Le ça, hein ? Parce que juste après, il a été très méchant. J'ai pas été comprise, en fait. Après le décès de votre petite fille ? Oui, voilà, il n'y a pas eu de soutien moral, rien du tout. Et comme ça... si que, oui, comme si ? Comme si c'était de ma faute et moi, ça m'a déjà culpabilisée. Alors que. Mais elle est morte de quoi, votre petite fille, Myriam ? Ben, elle avait une malformation cardiaque et. Oui, ben oui. Mais on s'en veut toujours en tant que. Bien sûr, on s'en veut toujours. Mais oui. Ce qui m'a traumatisée chez lui, c'est qu'il n'a jamais subvenu à ses besoins. Quand j'ai fait l'échographie pour savoir le sexe de l'enfant, et qu'il avait su que c'était une fille, on m'en voulait, alors que c'est pas moi qui décide. Bah oui, non mais c'est n'importe quoi. Bah oui. Bah oui. Mais depuis 2008, Myriam, il a dû s'en passer des choses. Ça fait 5 ans que vous vivez avec toute cette douleur qui ne bouge pas. Non. Vous avez rencontré personne, vous avez... J'ai essayé, mais bon. Non, ouais. On dirait que ça fait peur. Oui, vous êtes comme un trauma, hein, comme vous étiez comme dans un traumatisme, hein. Vous êtes traumatisée. Bah, moi, j'ai essayé, mais... Comment dire ? Les personnes, elles s'attachent très vite et elles détachent aussi vite. Ah oui, oui. Ça... N'acceptant pas mon passé, je pense. Oui, et puis bon, c'est vrai que... On est dans une époque où les liens sont pas toujours très très faciles à concevoir, à garder, donc ça n'aide pas, hein, Myriam. Mais ce qui est important, c'est vous là, c'est vous. Et ce que j'entends ce soir, c'est que, voyez, c'est comme si ça venait d'arriver alors qu'il y a 5 ans. Donc c'est comme si tout, voyez, vous avez du mal à remonter à. Il faut pas rester comme ça. Il faut que vous repreniez votre vie à vous. C'est important. J'aimerais tant, mais ben oui. Ça arrive pas. Et quand vous dites j'arrive pas, qu'est-ce que vous essayez qui va pas ? Enfin, comment ça se passe en vous-même qui fait que c'est si compliqué, douloureux ? Bah, le passé me rattrape à chaque fois. Et oui. Dès que je veux entreprendre des choses, Mais vous ruminez, c'est que les idées tournent en boucle, c'est toujours les voilà, mêmes. Voilà, c'est comme un. Oui. C'est comme un. Je veux dire. Un mauvais film, quoi. Un film d'horreur. Un film d'horreur qui tourne en boucle. Voilà. Mais par exemple, si on prend une journée. Lambda, Myriam, vous réveillez le matin, je sais pas, vous prenez votre douche ou votre café, vous avez l'impression que tout de suite, une espèce de, comment dire, c'est lourd, et vous dites ma vie est nulle et je m'en sortirai jamais. Enfin, c'est quoi les pensées qui arrivent en boucle ? Ouais, déjà ça, le matin. Le soir, c'est très dur. Voir autour de moi les neveux, les nièces, c'est pas évident. Oui. Mais quand même, j'ai fait des efforts par rapport au début. Oui. C'est quoi les mots qui reviennent que vous vous dites sur vous, qui fait que... Que j'ai pas été à la hauteur, que je suis la ratée de la maison, aïe, aïe, aïe. Je suis pas comme mes sœurs et mes frères. Ah, voilà. Voilà. Du poison, quoi. Vous inoculez tous les matins au réveil une bonne dose de poison. Donc voilà. Vous empoisonnez la vie. Vous n'êtes pas votre meilleure amie, vous êtes votre meilleure ennemie, Myriam. Oui, je sais. Bah oui. Et je me replie sur moi-même. Bah oui. Je suis une solitaire, j'ai plus d'amis, j'ai rien du tout.
La seule chose qui me rattache, avec qui je partage des choses, c'est ma petite sœur. Mais sinon, à part ça, j'ai des sœurs qui sont bien plus près de moi au niveau de l'âge. Mmh. Et ça ne le fait pas trop parce que moi, je ne suis pas jalouse. Au contraire, je suis contente pour elle. Elle a réussi et tout ce qui va avec. Mais je me sens... Comment dire? Je me sens mal. Oui, oui. Et j'ai honte. En fait, j'ai honte de vivre. Ah, vous êtes... Oh là là, Maria. J'ai honte de vivre. En fait, je fuis à chaque fois, mais c'est pas une solution. Quand il y a des réunions familiales, j'évite d'y assister. Est-ce qu'il y a des petites choses, Myriam, de votre vie qui vous rendent heureuse? Est-ce qu'il y a des petites choses? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Est-ce qu'il n'y a pas des petites choses, voilà? Est-ce que vous pourriez me citer une ou deux petites choses qui quand même sont des rayons de soleil ou dont vous êtes fière ou contente? Est-ce qu'il y a des toutes petites choses, mais microscopiques même, que vous pourriez faire pousser? Non. Il n'y a rien qui vous vient. C'est terrible, Myriam. Je sais, c'est terrible. Vous voyez, on ne peut pas se détester comme ça en tant qu'être humain. Vous avez sûrement... Plein de bonnes choses en vous. Alors, bien sûr, là, la vie vous a un peu malmené, jeune en plus, avec une union, un homme violent, un enfant qui décède. Vous avez vécu des choses très, très douloureuses et jeunes. Mais ça ne dit rien sur vous, vous voyez, c'est pas pour ça que vous êtes... Il y a ce qui vous est arrivé, il y a des événements de votre vie qui sont certes des événements excessivement douloureux, mais qui ne résume pas la personne que vous êtes en échec. Vous voyez, c'est pas... c'est quelquefois, on a des choses terribles à traverser. C'est pas pour autant que la personne, elle est nulle ou elle sait pas faire, vous voyez. C'est comme si vous fusionnez les événements que vous avez vécus avec qui vous êtes. Mais non, vous êtes bien plus que ça, bien plus large, bien plus grande, bien plus forte, bien plus puissante. Vous avez plein de choses en vous. Avant, oui, avant de rencontrer ce monstre. Oui, mais le monstre, il faut, à un moment donné, vous savez, c'est comme dans les contes de fées, il y a deux solutions. Soit le dragon et le monstre, ils vous bouffent, soit c'est vous qui lui plantez un poignard. Donc, j'étais épanouie, j'avais... Oui, mais Myriam, il va falloir le tuer, votre monstre, en vous. Il n'y a aucune raison qu'il continue à survivre. Plus vous y pensez dans le sens où vous ruminez ça comme un échec de votre part, plus vous lui donnez vie. Il faut que vous le décidiez. Vous voyez, je suis désolée de vous dire ça, Myriam, mais vous voyez, à un moment donné, quelquefois, il n'y a pas 36 solutions. Hein, faut trancher la tête du dragon. Voilà. Donc, faut y aller, faut sortir l'épée. C'est comme dans les contes. Faut y aller. Parce que sinon, vous allez continuer à le nourrir en ruminant vos pensées, en vous disant j'ai une vie terrible, j'aurais pas dû, il m'a battu, j'ai vécu ça, j'ai vécu ci, et vous ruminez, vous restez dedans comme si vous vouliez conserver ce lien qui vous... C'est comme si parce que vous avez vécu ça, ça explique que vous n'arriviez pas à continuer à faire votre vie comme vous le voulez. Mais c'est plus un problème de confiance en vous là dont vous parlez, que lui, en tant que tel, lui vous sert de couverture pour vous empêcher de vivre et vous empêcher de vous aimer et de prendre votre vie en main. Donc, laissez-le et tuez votre dragon là, à l'intérieur de vous, que vous nourrissez, et essayez de regarder ce que vous savez faire et bien faire, et commencez par des petites choses. Pas des grandes choses, des petites choses où vous avez un certain plaisir. Et puis, j'espère... Enfin, vous êtes en thérapie, Myriam, il y a quelqu'un qui vous suit? Vous êtes non, pas toute seule? Non, plus maintenant. Ce serait bien que vous ne soyez pas seule. Il faut que vous vous fassiez aider, là. Que vous puissiez avoir un peu un guide. Hein. Je dis souvent, c'est un guide, un bâton pour monter la montagne. Il ne faut pas rester toute seule, là, Myriam. Parce que c'est compliqué ce que vous vivez. Mais il y a vraiment un vrai travail à faire de décision intérieure. C'est à vous de le décider. Vous pouvez le faire. Il n'y a aucune raison. Sophie, j'ai été me soigner comme il fallait. Mmh. Et la psychologue m'a dit quoi? Elle m'a dit que je l'aimais encore. Alors que moi, je ne l'aime plus du tout. Mais non, vous êtes sous dépendance parce que vous créez une dépendance qui vous permet de vous dire que comme c'est raté, le reste va suivre. Voyez-vous, vous êtes créé une espèce de coque dans laquelle vous avez décidé que...
que bah, c'était tellement horrible que maintenant vous êtes nul, vous êtes raté et que la vie est fichue et que ça va continuer comme ça. D'ailleurs, vous voyez, il y a une auditrice qui dit « J'ai beaucoup de peine pour ce qu'elle s'imagine être. Elle n'a pas l'air désespérée, mais placide et sans instinct vital. Elle n'a pas perdu le sens de la vie car elle ne l'a jamais acquis, ce sens. » C'est vrai, il y a un sens de la vie, Myriam. Bah, c'est vrai, oui. Mm. Le bonheur, je voudrais bien le connaître quand même dans ma vie. Mais le bonheur, c'est le sens, Myriam. Le bonheur, c'est pas d'aller bien tout le temps et d'être heureux avec le sourire dès qu'on se lève le matin, parce qu'il y a plein de jours où on va mal. Mais ce qui crée le vrai bonheur, hein, le bonheur ancré, profond, le bonheur d'exister, on va dire, c'est ce qui donne un sens à notre vie. Et donner un sens à sa vie, bah, vous me donnez une jolie idée parce que je ferai mon introduction demain dessus. Mais donner un sens à sa vie, c'est très vaste. Il y a un très beau... Je sais pas si vous aimez lire, Myriam. Vous aimez lire ? Oui. Alors, essayez de vous procurer un très joli livre d'un grand psychiatre, psychanalyste, qui est du temps de Freud, mais qui n'a pas quitté Vienne au même moment que Freud et qui a été déporté dans les camps, qui s'appelle Viktor Frankl, F-R-A-N-K-L. Et Viktor Frankl, il est rescapé d'Auschwitz. Et pendant qu'il était dans les camps, il a observé qu'est-ce qui faisait que les gens survivaient ou non dans les camps de concentration. Et il a observé que ceux qui avaient plus de chances, on va dire, de survie, c'est ceux qui arrivaient à donner un sens au pourquoi ils étaient là, alors que ça n'avait vraiment pas de sens d'être déporté. Et il s'est rendu compte que des gens qui étaient capables de donner un sens à l'intérieur d'eux-mêmes, à ce qu'ils vivaient, même dans la plus grande souffrance, dans le plus grand désespoir, dans la plus grande douleur, avaient une force de vie, un instinct de survie immense. Et ça a été son cas. Et il a créé un mouvement qui s'appelle maintenant la logothérapie. Vous pouvez les regarder sur Internet, c'est la thérapie par le sens. Et en fait, il a expliqué que beaucoup d'individus souffrent de névrose de sens. On est malheureux, on est déprimé parce qu'on ne comprend pas ce qu'on fait sur cette terre, parce qu'on n'a pas trouvé le sens de sa vie. Et le sens, il est on va dire tout petit, enfin quand je dis tout petit, très particulier à chacun, très singulier. C'est-à-dire que le vôtre, c'est pas le mien, c'est pas celui de Julien, de Geoffrey, de Jeanne qui sont là. Vous voyez, c'est celui de Myriam. Et le vôtre, il faut aller le trouver dans ce que je vous disais quand je vous disais c'est quoi ce qui peut vous faire sourire, vous donner du plaisir, c'est ce qui vous éveille, c'est ce qui crée de l'éveil. Alors bien sûr, vous avez subi des traumatismes terribles, très rapprochés, notamment la perte d'un enfant qui est dramatique pour une maman. Mais il y a un sens au-delà, un sens, on va dire, plus spirituel de vie qui vous reste à trouver. Mais il n'y a pas de raison que vous ne le trouviez pas. Et plus vous vous dites que c'est foutu et que votre vie, moins vous allez y arriver. Donc à un moment donné, ça se décide aussi, ça se choisit. Vous savez, c'est Voltaire qui disait « j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut décider de tourner le dos à ses démons, de prendre la vie comme elle vient et d'essayer dans les petites actions, d'y aller doucement du quotidien, de retrouver un petit peu d'énergie. Hein, il y a Fouad de montrer qu'il dit « courage Myriam, tant que vous vivez, il faut espérer, peut-être que la vie vous sourira prochainement ». Et puis il y a des auditeurs qui laissent leur numéro pour vous, donc on vous le donnera. Mais Brigitte dit « vous avez vécu une épreuve atroce et n'avez pas été entourée comme vous l'auriez dû. Maintenant, ayez de l'amitié pour vous, essayez d'aller dans le sens de la vie ». C'est vrai. C'est oui, vrai. Essayez d'avoir de l'amitié. Dans mon entourage, ça n'a pas été... Ça n'a pas été... J'aurais voulu que... Mais c'est ça, mais je vous auriez voulu. Mais ce qu'on n'a pas eu, eh ben, on peut essayer de se le donner. C'est vrai que vous ne l'avez pas eu et on ne vous le donne pas et on ne vous le donnera peut-être pas. Mais vous, vous pouvez vous le donner. C'est ça aussi le sens de la vie. Moi, j'avais trouvé que les médicaments à l'époque. Enfin, oui. Ils m'avaient prescrit. Pour vous soulager. Pour me calmer. Bien mais sûr. C'est pas bon parce que... Non, c'est pas bon. J'ai pas pu faire mon deuil. Je l'ai fait plus tard, mon deuil. Ça ah oui. Il a fallu que je tombe malade. Et, oui. Et là, j'ai fait mon deuil, ça fait quoi, 2 ans? Oui. J'ai pas vécu mon deuil normalement. Oui. Il y a beaucoup de choses que j'aurais voulu faire bien. Oui, mais les regrets, vous voyez, ça va pas vous aider. C'est fait. Enfin, vous voyez, ça a été fait comme ça. Et si ça a été fait comme ça, eh ben, c'est que c'était comme ça. Ça devait être comme ça. Donc, à un moment donné, il faut une espèce de bon sens, vous voyez, un peu paysan, en se disant, bon, ok,
voyez, c'est vraiment, c'est physique, c'est tourner une page, se lever le matin et dire, bon allez, je vais essayer de regarder ma vie un peu autrement que comme je la regarde tous les jours. Et cette union dévastatrice, il est plus là, il vous embête plus, laissez-le là où il est loin, laissez ça derrière vous. Il faut lâcher, vous vous rendez compte, si on avance dans la vie jusqu'à un âge avancé avec des bagages qui pèsent 3 tonnes, on peut plus avancer. Faut les laisser, vos valises là, Myriam. Les moches valises là et tout, faut les laisser, c'est fini. Vous avez une autre vie qui vous attend et c'est à vous de la faire, et vous êtes jeune et vous pouvez encore voilà, trouver plein de jolies choses. Alors, essayez de vous procurer le livre de Viktor Frankl qui s'appelle Donner un sens à sa vie. Voilà. Donc, j'espère que vous allez le trouver, que ça va vous aider. Il raconte toute son histoire, donc c'est très intéressant. Et puis que ça va vous donner des petites pépites pour vous, vous trouvez le vôtre. Et il donne des petites indications. Donc voilà, essayez de trouver qu'est-ce qui fait un sens dans votre vie, en sachant que oui, il y a eu des épreuves, mais que ces épreuves peuvent avoir du sens aussi, parce que vous pouvez vous appuyer sur elles pour rebondir. Et vous allez vous appuyer. Votre souffrance, vous allez en faire quelque chose. Faut pas rien en faire de la souffrance, sinon elle vous détruit. Donc elle peut créer de la force. Pour peu que vous vous appuyez dessus. Hein? Et vous allez essayer de faire autrement, autre chose, autrement. Changez les lunettes. Ce soir, vous vous couchez et demain est un autre jour. D'accord, Myriam? D'accord. Bon courage, Myriam. Hein? Merci beaucoup. Prenez bien soin de vous. Merci de tout mon cœur de m'avoir écouté. Oui, prenez soin de vous. Ça fait trop plaisir. Oui, bah prenez bien soin de vous. Hein? Merci, Sophie. Et demain, il fera beau. Il y aura du soleil. D'accord. Dormez bien. Bonsoir. Merci. Myriam. Bonsoir. Au revoir. Sophie Peters sur Europe 1. 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Frédéric. Oui, bonsoir. Je voulais réagir au témoignage qui a eu lieu juste avant. D'Olivier. Le dernier, oui, oui. Témoignage d'Olivier. Parce qu'il m'est arrivé pas tout à fait la même chose, parce qu'il s'agissait à moitié de rêve. Je m'explique en deux mots. Mm-hmm. Moi, ce qui m'arrivait, c'est... J'étais adolescent, hein, j'avais entre 15 et 20 ans. Je ne pouvais pas dormir le dos à la porte, ni la fenêtre ouverte, parce que je me réveillais à moitié, mais c'était dans un demi-sommeil, en ayant l'impression qu'il y avait des personnes dans la chambre, pareil, qui me voulaient du mal, mais sans m'agresser, hein, j'avais, sans savoir ce qu'ils me voulaient, mais ils ne me voulaient pas du bien en tout cas. Mmh, mmh. Et je me mettais à hurler, donc ça me réveillait, je me mettais à hurler, mais aucun son ne sortait, pareil. Et j'en avais parlé en thérapie, puisque bon, ça me perturbait quand même beaucoup. Quand ouais. On ne peut pas dormir comme on veut, et puis on n'a pas toujours le choix de dormir du bon côté de la chambre. Et donc, mon psychologue m'avait dit, enfin mon psychiatre m'avait dit, non, moi, je comprends pas bien. Et puis, il s'est trouvé que j'ai rencontré un médecin psychiatre, et dans la conversation, dans une soirée, tout bêtement, j'ai un poste de haute fonction publique, et il s'est trouvé que dans un dîner, j'ai rencontré un médecin psychiatre, et puis, bon, bah, je sais pas, il parlait de choses de ce genre, et je lui ai parlé de ça. Et il m'a dit, mais réfléchissez, parce que lorsque on a ce genre en général de rêve, enfin de d'expérience, c'est peut-être parce que on a des personnes à qui on n'a pas pu dire un certain nombre de choses, et on a le sentiment qu'ils viennent vous demander des comptes et qu'on n'arrive pas à leur expliquer la situation dans laquelle s'est mise. Ouais. Et il m'a dit, vous devriez chercher dans votre enfance, dans votre fratrie, dans ce que vous auriez eu envie de dire peut-être à votre sœur, à votre frère, puisque j'avais un frère jumeau en plus, qui est mort jeune. Qu'est-ce que vous auriez pu bien vouloir lui dire? Et effectivement, en faisant cette recherche, ben, j'ai réussi à me débarrasser de ça. J'ai pu trouver, dire, ben oui, il y a ça que je voulais dire à ma mère, parce que quand ma grand-mère est morte, ben, ça s'est pas bien passé, je l'ai pas digéré.
Bon, et puis on en a parlé. Mmh. Ben, hop, avec mon frère, pareil, on n'avait pas du tout les mêmes opinions. Il disait médecine, moi je faisais politique. Bref, on était assez opposés. Et puis, ben, on a eu ces discussions. Et de ce jour-là, ça s'est arrêté. Ah oui. Ah, oui. Et donc, le conseil, ça avait été de rechercher les gens à qui pourraient venir vous demander des comptes parce que on ne leur a pas dit ce qu'on avait à leur dire sur le cœur, au moment. Soit qu'ils attendaient au moment où ils l'attendaient. Oui, oui, je comprends. Oui, c'est très juste, vous avez raison. C'est, voilà. Oui, oui, c'est très bon. Et en faisant ce travail, moi, j'ai réussi à trouver. Et du coup, les rêves se sont arrêtés. Je ne l'ai plus jamais fait. Oui. Et dans vos rêves, vous vous sentiez agressé, comme oui, Olivier. Non, mais c'était vraiment. Je sentais une présence malveillante qui venait presque me poignarder dans le dos. Enfin, j'avais Et pareil, vous essayiez de les mettre en fuite ou de fuir vous-même. Il y avait de la fuite aussi. Je me réveillais, donc je me retournais. J'étais sur le ventre, je me retournais, je dormais à plat ventre et je me retournais, je hurlais, mais rien ne sortait. Je demandais le lendemain, vous m'avez entendu hurler? Non, on t'a pas entendu hurler. Ouais. Et je me rendormais après. Ouais. Quelque chose qui ne peut pas être dit et qui devrait être dit, en fait. Et voilà, qui aurait à se qui dire. Qui aurait dû être dit, qui peut être encore attendu d'être dit. Voilà. Par justement le subconscient et qui crée ces entités entre guillemets. Bien sûr. Parce que moi je parle pas d'entité. Oui. On est bien clair. Oui, on est bien clair. Il n'y a personne dans la pièce. Il n'y a personne dans le studio sous la table. Non. C'est pas sous cet aspect-là, bien que par ailleurs je sois croyant, etc. Mais et qu'on puisse gloser sur le spirituel. Mais c'est pas du tout dans ce sens-là. C'était vraiment dans un sens purement matériel. Et je vous dis, enfin, en tout cas, moi, je sais que j'ai mis à plat un certain nombre de comptes, on va dire. Bon, j'ai réglé. On parle de régler des comptes, oui, voilà, c'est ça. J'ai parce qu'en fait, ces gens venaient vous demander des comptes, oui. Voilà, c'est ça. Et ces personnes venaient me demander des comptes dans mon inconscient. Donc, je me suis libéré d'une culpabilité, en quelque sorte. Oui, voilà, oui. Donc, l'agression, en fait, était presque, je la considérais presque comme juste, normale. La mesure où je leur devais quelque chose, une explication, lever un malentendu, dissiper un doute, voilà. Et bon, ça s'est passé comme ça. Ah oui, écoutez, merci de votre témoignage et de nous appeler parce que voilà, c'est pratique. Et puis j'en ai un deuxième. Oui, si vous voulez bien. Avec plaisir, avec plaisir. Qui concerne une autre intervention qui a eu lieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette dame qui disait que son mari, qui vivait avec ses deux enfants et qui avait un mari qui avait qui était convaincu qu'elle avait trompé. Exactement. Et moi, j'ai connu, alors là, pareil, j'ai connu une expérience du même genre, alors qui ne me concernait pas moi, mais qui concernait une de mes amies très proches. Et je lui avais conseillé, ce qui a très bien fonctionné, de conseiller à son ami qui avait vraiment exactement les mêmes symptômes. Mmh. Il était en train de développer une paranoïa, mais galopante, mais agressive. Non, mais une paranoïa au sens vraiment psychiatrique du terme. Hein. Et il est allé voir quelqu'un qui fait de l'hypnose. Ah oui, oui. Et ça n'avait pas été évoqué dans la conversation et dans les pistes possibles. Non, je ne l'ai pas évoqué, Et je vous assure que ça a résolu le problème. Oui. C'est-à-dire qu'il a retrouvé dans son passé, là aussi, quelqu'un qu'il avait abandonné et où il s'était fait tromper et où il avait... Il a retransposé ça, mais vraiment de manière purement aléatoire 20 ans plus tard. Mais je suis d'accord avec vous, l'hypnose, ça peut être très très puissant. Et il a accepté parce que c'était ça, ou l'asile il avait passé, parce que ça devenait invisible et qu'il commençait à s'en prendre à ses enfants. Et à les mails, parce qu'il disait vous êtes du côté de votre mère, ça tournait vraiment vinaigre. Et j'avais conseillé ça et ça s'est finalement résolu. Et il a pu se sortir ça de la tête en déplaçant et en trouvant le problème qu'il avait mis dans cet état-là, mais c'était 25 ans plus tôt.
Ah oui, ah oui, et quelquefois hein, ça nous poursuit, hein, surtout il avait 50 les choses ans, remontent. Hein, ah oui, oui, 25 mais 25 ans plus tôt, mais, il avait été plaqué et il avait complètement. Il suffit quelquefois d'un événement. La cinquantaine, et il a tout transféré sur sa femme. Ouais. Merci voilà. Frédéric, merci beaucoup, merci pour votre éclairage de nous avoir appelé. On termine en beauté l'émission avec vos bons conseils. Bonne nuit à vous, bonne nuit à tous les auditeurs. Merci à Rachel, à Mur, Poupig, Hélène, Olivier le Patrouilleur pour vos adorables messages. Je vous souhaite une très très douce nuit. N'oubliez pas qu'il y a une émission vendredi soir, une libre antenne, 23h, 1h. Et puis on se retrouve demain, jeudi 15 août, et très bon week-end pour ceux qui partent. Il est 1h, vous écoutez Europe 1, le flash vous est présenté par Loïc Loury. Bonsoir Loïc. Bonsoir Sophie, bonsoir à tous.